Je suis Marie-Noëlle Delgado. Je me suis principalement axée sur la commission enfance, école et jeunesse. J'étais déjà sur la liste Ozon, sur la liste Ozon 2014, et j'ai suivi, comme je le pouvais, le travail d'Ozon tout au long de ces années. Et j'ai décidé de repartir avec Ozon 2020. Concernant l'école, ce qui me gêne principalement, c'est le fait que les enfants n'aient pas une nourriture vraiment saine. Il n'y a quasiment pas de nourriture bio. Et le fait que les écoles aussi, notamment les cours d'école, soient bétonnées, goudronnées et si peu de verdure pour montrer la variété de la biodiversité aux enfants. Ozon 2020 propose déjà d'apporter à la petite enfance une nourriture saine et biologique. Nous commencerons par les crèches, puis nous l'étendrons aux écoles maternelles et écoles élémentaires, parce que c'est lors de la petite enfance que les perturbateurs endocriniens, les pesticides ou la nourriture de mauvaise qualité a le plus d'impact sur la santé de l'enfant et sur son développement futur. Donc nous allons au maximum utiliser une alimentation et des aliments bio, notamment en développant et en travaillant avec les agriculteurs, les paysans qui travaillent en bio localement. Et c'est en plus créateur d'emplois, le fait de travailler en bio. Il faut travailler, il faut être plusieurs. Un seul agriculteur ne suffit pas sur une exploitation. Donc à la fois c'est créateur d'emplois. Et en plus, c'est sain pour la santé, notamment la santé de nos enfants.